Pourquoi j'ai un truc sur la tête? Regarde. Hello tout le monde! Non, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, non, cette vidéo. Hello tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo! La vidéo va partir dans tous les... Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. La vidéo risque de partir dans tous les sens. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, donc je ne suis pas toute seule, comme vous voyez, je suis avec ce fanfaron qui est mon homme hein, dans la vie. Donc voilà. Et pour la première fois, donc. Dans l'histoire de ma chaîne YouTube, dans l'histoire de ma grande chaîne YouTube, ce n'est pas moi qui veux me maquiller, c'est... Tadam ! C'est lui ! Alors, challenge, je vous en avais parlé et j'avais tellement hâte de faire cette vidéo parce qu'il faut savoir que mon homme, ce n'est pas un Raphaël Carrel ou un Richard, hein, pas du tout. C'est qui ? C'est un mec normal, enfin, il n'est pas fan de make-up, pas du tout, du tout. Donc, je pense que... Bon, allez, on va essayer de rester sérieux. Donc, c'est lui qui va me maquiller de A à Z. On va se maquiller, mais... On va faire l'essentiel, hein. On va pas tout faire, parce que sinon, ça va être too much. Ben voilà, on va y aller, non? Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Si vous l'êtes déjà, merci beaucoup, beaucoup. Et si c'est pas encore fait, maintenant, là, tout de suite, le petit bouton rouge s'abonner. Abonnez-vous, on se fait un bisou, on se fait un câlin, et puis pendant ça, vous vous abonnez. C'est bon? Allez, go! Alors, on va commencer donc par la base des bases, parce que là je pense qu'on le voit, je n'ai rien fait du tout, je suis en mode nude de nude. Le blush! Donc, non, pas... Oh là là, eh, ça va être une cata, hein, ça va être une catastrophe. Donc j'enlève mes petits bijoux, on va commencer par le fond de teint. Donc le fond de teint, c'est ce que tu détestes, c'est le fond de la toile. C'est Je suis pas dans l'écran. Tu vois, toi qui fais de la peinture. Je vais me tasser, regarde. Ouais, ouais, il fait 1m86. Hein. C'est compliqué. Là. Tu sais, quand tu fais de la peinture, tu fais le fond de la toile, ouais. Et après dessus, tu peaufines, tu... Ah, voilà. On fait le fond. En fait, le fond de la toile, ben, c'est la base, quoi. C'est ce sur quoi tu vas travailler. Et toi, t'adores la peinture, en plus. Alors, on prend ça. Tu verras, c'est un peu pareil. Attends, j'enlève mes colliers, parce que sinon, tu vas en mettre partout sur mes pas colliers. Du tout ça. Non, alors, tu prends... Qu'est-ce que je vais lui donner? Un truc simple. Tu vas prendre celui-là, l'essentiel de Guerlain. Il y a 14 000 trucs. Non, il n'y a pas 14 000 trucs. Ok, donc fond de teint, on prend l'essentiel de Guerlain, enfin tu le prends, vas-y, vas-y, et bah, je te donne un petit pinceau. Donc l'idée, c'est bien sûr d'en mettre partout, de manière uniforme, et que ce soit partout, joli. Le front, le nez, tout partout. Tu vois, que ce soit vraiment joli. Moi je suis un artiste, je suis un artiste. Que ça se voit pas. Jamais comme ça? Ouais, ou t'en mets sur ta main, et après tu mets sur le visage. Sur ma main? Ouais. Comme ça, ici, là? Mais non, pas là. Là. Mais il a plein de poils. Le fond de teint se mélange dans les poils. C'est bon, les poils, ils vont pas s'arracher les poils. Hein. Eh hey, mais tu te concentres, hein. Tu me fais un truc joli. J'ai jamais été autant concentré. On y voit là? Ouais. Allez, vas-y. Mais fais comme si t'étais genre un make-up artiste. Ouais, mais je suis un... Tu tiens mon visage d'une main. Attends, mais attention. Quoi? J'en ai là. Ah. Allez, vas-y, alors. J'en mets partout, hein. Ben oui, mais... Ouais, mais pas comme ça. Enfin... Et il me peint la face, il est en train de me peindre la face, mais genre, il étale en fait. Et en fait, il faut faire pénétrer la matière. Mais je fais pénétrer, voilà. Laisse-moi. C'est pas compliqué. Ah. Allez, le but c'est que je passe un bon moment et que je me fasse coucouner. J'ai jamais appliqué mon fond de teint comme ça. C'est vrai. Je sais pas. Moi j'aime pas le fond de teint, c'est pas tip top le fond de teint. Non mais parce que pour Eric, le fond de teint, ben, c'est la vision qu'il a, la vision que tous les mecs ont du fond de teint, c'est-à-dire un truc plâtré quoi, un faux teint, un teint pas beau quoi. Oh, il dit farté, ouais, et là tu... Chut, tais-toi un peu. C'est joli ou pas? Mais c'est magnifique, c'est sublime, hein, c'est sublime. Tu sens comme il sent bon ce fond de teint? Mais je sens pas moi, tu sais. Sens-le, 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 c'est une tuerie ce fond de teint. Pierre descendante. Les paupières descendantes. Les paupières montantes. Vers le haut. L'idée c'est de remonter les traits du visage. Chut, allez, ça sert à rien d'en mettre 40 000. Est-ce qu'on nous voit bien? On est... Ouais, on est dans le. Ouais. Non, 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 mais pas 40 000. Hein. Mais non, ça sert à rien. Bon, là on a unifié le teint. Voilà. Attention, il reste un peu. Là, et les petits points noirs là. Oh, j'ai pas des points noirs. J'ai des pores. Tu peux parler, hein, toi. Un petit port dilaté. Voilà, là, là. Est-ce qu'on le voit, on le voit encore ou il est complètement fondu à la peau? Là, il est fondu, tout le duvet est recouvert. Oh. Non, on le voit plus du tout. Là, c'est parfait. Faites voir. Est-ce que c'est... Ouais, ça hey va. Bon, de toute façon, je ne touche pas. C'est lui qui fait, je touche à rien. C'est super bien. Où on met ça, maintenant? Ensuite, ça, on le met là. On va mettre un peu d'anti-cerne. Donc, parce que tu sais que moi, j'ai des cernes un peu prononcées, quoi. Donc, je mets un peu d'anti-cerne pour camoufler vraiment la cerne. Je dors pas mal, quand même, déjà. Hein. Grâce à moi. T'en avais encore sur la... Je vais aller dormir. Eh, mais tu gâches. Mais je gâche. Tu gâches le produit. Tu m'as dit que c'était bon. Allez, anti-cerne, tiens, mets celui-là.
Alors là, tu prends un petit pinceau, un plus petit comme ça, et tu mets vraiment sur la cerne, aussi au-dessus. Ça se dévisse ou ça se tire? Ça se dévisse. Sur la cerne. Sur la cerne, partout il y a du bleu violet, tu vois. Ne bougez pas, bleu violet. Ah, oh, tu fais ça comme un artiste. Moi, je fais pas du tout comme ça. Moi, j'y vais comme une. Regardez comme il peint, on dirait qu'il fait de la peinture avec précision. Mais par contre, il faut un truc pour étaler après. Là, ça. On va faire un petit dégradé. Ah non, pas avec ça. Après, tu vas faire des dégradés. Je sais pas ce que je vais lui donner comme palette de fard à paupières. Et là, tu vois, il faut envoler la cerne. Et si je te maquillais, moi? Non. Tu sais qu'il y a de plus en plus de mecs qui se maquillent. Oui, mais chacun son truc. On fait une rotation volée. J'ai pas dit caca d'œil. Comme ça, je les étale. Oh, rotation volée. Voilà, on a plus de cerne. Non, si, c'est bien. Ouais, c'est pas. Regarde, ça fait des caca. Ah, mais c'est dans l'ombre là-bas, je vois pas. Ah, bah oui, mais bon. Non, mais il faut mieux étaler, regarde, ça fait des caca. Mais oui, mais je vois pas. De l'autre côté, je vois pas. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok. On va poudrer. On poudre. Je poudre. Je te donne poudre pinceau. Vas-y. Poudre pinceau. Donc ça, c'est pour fixer. The Milk Maker. Alors, là, tu vas fixer ce que tu as fait. Poudre libre fixante mat. Voilà. Matifié. Ouais, ça rend beaucoup plus joli. Comme tu transpires un peu, ça va être bien. Ah ouais, j'ai fait de chaud. Mais c'est un caillou, ça. Ça s'ouvre. C'est pas un caillou. Ça s'enlève, ça. Ouais. Attends, regarde. Tac. Et après, on va passer aux choses sérieuses. Mais là, j'en mets partout. Ouais. Mais que là où tu as des cernes. Non. En fait, tu viens. Allez, fixer. Là, il faut tapoter chatou. Là, chatou. Tu viens fixer tout ce que t'as fait. Chatou. Ouais, j'appelle chatou tout le temps. En fait, moi, j'appelle tout le monde chatou. Merde alors. Enfin, chatou, toi et les filles, quoi. Oui, parce qu'on a choisi de faire la vidéo, donc tous les deux. Donc, nos enfants sont dans la maison quelque part. Il est possible qu'elles débarquent à tout moment de la vidéo, hein. C'est pas mal, je pense, pour le moment. Mais attends. Tu t'appliques et tout. Ouais, tu t'appliques. Tu fais ça bien. Je pense que c'est bon là. Ah, allez, on remet le petit caillou. Ensuite, ça va se corser un peu parce que je vais lui demander de faire mes sourcils. Ah, j'adore. On les coupe. Hein? On les coupe. Ah non, on les coupe pas. Là, tu prends. Parce que tu sais que j'ai du microblending. Donc, comme mon microblending il s'estompe un petit peu, tac, tu vas retracer un peu mes sourcils. Tac, pour les restructurer. Pour l'instant, c'est ma chambre aussi là. Heureusement que j'aime pas tout mon bordel parce que là on dort chez Sephora. Ouais, en fait, toi t'as monopolisé le garage et la terrasse. Vas-y, alors là faut être super, super, super précis. Alors ça s'ouvre de quel côté cette histoire? Cette histoire? Alors d'abord tu les brosses. Non, mais y'a rien de tout. Et après, mais si, regarde, c'est rétractable comme ça là. Tac. C'est pas rétractable, c'est télescopique. Non, rétractable. Alors attention, concentration pour les sourcils. Bon, je commence avec quoi alors? D'abord tu les brosses. Ah mais c'est l'autre côté alors, attends, faut fermer. Non, c'est les deux en même temps, regarde. Et après tu Donc je fais d'abord les yeux. D'abord tu brosses, après tu dessines et après tu... Mais non, mais pas les yeux. Même pas les yeux, les sourcils. Ah, ils confondent toujours les cils et les sourcils. Pas les cils. Les sourcils. C'est pareil. Tu les brosses, ça c'est super important la vie, parce que si tu fais des sourcils de caca... Attendez, il y a une fille qui débarque. Eh ben, les sourcils, ça détermine tout le visage en fait. Là, t'es en train de les brosser vers le bas. Mais pas du tout, je le fais dans le sens du poil. Si je fais comme ça, c'est pas... Attendez, il y a une petite qui a débarqué dans la chambre. Si je fais comme ça, c'est pas terrible, on dirait Jackson 5. Eh ben alors remets-moi comme j'étais très bien. Bon ben là, c'est superbe. Waouh, mille adieux de view. Mille adieux. Ah, ensuite. Ensuite, on dessine et après, t'estompes ce que tu viens de dessiner, tu vois. Donc ça se floute. C'est écrit que au bout, c'est écrit partout. Oula, ça écrit. Là, tac, comme ça. Vas-y. Je dessine partout ou que concentration. Je suis hyper concentré. Surtout la pointe en haut. Enfin, l'arc. Tu vas me faire des sourcils on flick. Mais non, je fais par-dessus le micro-blending. On flick, ça veut dire stylé. Ça va. Allez, fais voir l'autre côté. Ça va. Fais voir l'autre côté. Allez, détends-toi. Je suis détendue. Attends, je m'appuie sur ta joue. En fait, tu triches, mais en gros, il n'y a pas de poils. Ben ouais, c'est le but du microblending. Arrête de parler, ça me bouge bouger. En fait, c'est de créer des faux poils. On fait comme si on avait des poils là où on en a pas. Bon, ok pour les sourcils. On a mis un petit dessin animé à notre fille derrière, donc si vous entendez des petits bruits de Peppa Pig, c'est normal. On va faire les yeux. Est-ce que t'as envie de partir sur un truc hyper coloré? Non. Ou un truc nude? Nude. Bon, je savais, de toute façon, il aime pas quand je fais des make-up colorés. Nude. Alors, je vais choisir une petite palette. Ou tu veux choisir si tu veux. Hein. C'est où les palettes? C'est là. Ah oui, c'est là. Ah oui, ils sont dans ma chambre. Je le laisse choisir une palette. C'est bon. Bon, j'ai été contraint et forcé de prendre celle-ci. Non. Comment on fait comme ça?
Non, il voulait du nude, donc voilà, valeur sûre. Urban Decay, on y va, c'est parti. Donc là, c'est vrai que pour les yeux, d'habitude, on a nos petites habitudes et tout. Creux de paupières, coins externes, tout ça. Eric, il n'a pas du tout l'habitude. Donc, tu vas faire comme tu veux, comme alors, tu le sens. On a le choix entre quelques petits pinceaux. Mais tu sais qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça. Ben toi, t'as l'impression, mais en fait... Ben non. Et non, il n'y a pas le choix de pinceau. Bienvenue chez Brico Dépôt. Allez, non, c'est ça, c'est pas ça. C'est le teint. Ah oui, rien à voir avec les yeux. Les petits, tu vois, tu prends les petits. On y va. J'espère qu'il va me faire un truc sympa et tout. Ça fait trop plaisir de se faire maquiller. Ouais, surtout pas moi. Alors. Alors, est-ce que vous voyez? Attends, je rapproche un peu l'appareil. On maquille où et quoi? Ça marque. C'est profond, c'est très ou c'est un peu transparent comme colorisation. Comme colorisation. Vas-y, je te laisse, vas-y. Bon, je fais un test. Tu fais ce que tu veux. Tu peux tapoter. Voilà, l'excédent pour que la poudre s'en aille. Attends, tu pars du coin interne. Pourquoi c'est pas comme ça? Non, mais attends, chacun fait comme il veut. Hein. C'est ça qui est bien dans le maquillage, c'est que c'est comme de l'art. Bon, tu t'amuses. On va tester, si on teste, on teste partout pareil. Hein. Sinon, tu t'amuses et tu fais comme si tu faisais une peinture d'artiste, quoi, tu vois. Ouais, éclate-toi. Exprime ton talent. Alors. En plus, toi, tu sais super bien dessiner. Non, si, c'est vrai, t'es hyper doué, t'es hyper manuel, t'es hyper artiste. Allez, ferme tes yeux. Ah. Bah là, t'as pris un neutre hyper nude, forcément. Putain, mais ça poudrait tout, quoi. Ça part. Il y a des chutes. Il tapote dans le phare. le gars fait n'importe quoi. Alors, attends. On va faire ici, juste ici. J'ai l'impression que tu fais que le coin interne, quand même. Alors que, comme j'ai les paupières tombantes, il vaut mieux axer sur le coin externe. Non, parce que regarde. Est-ce que tu veux que j'ouvre les yeux? Ce sera peut-être plus simple. Hein. Non. Oula, putain, il y a du... Non. Tu veux que j'ouvre les yeux? Ouais, ouvre les yeux. Voilà, ça c'est beau. Ça. Oula. Voilà, ça me bouge pas, mais si tu rigoles, ça fait un appui de fou. Oh putain. Non, mais c'est un test. Eric. Pas, ton pinceau il est pas un peu trop gros là? Ah non, le fond c'est toujours plus gros et plus ça va, plus tu prends un petit. Pour le détail. Ah, mais là c'est un peu trop pétalisé. Mais ça c'est parce que t'as bougé, hein. T'avais pas bougé. Ouais, Là je suis obligé de rattraper. Attends, mais tu vas descendre jusqu'à la narine ou quoi? Y a pas de gomme? De gomme? Mais tu sais que l'idée c'est de maquiller surtout le dessus des yeux. Mais ah, oula, bon oh putain. Tu vois, regarde, non, mais en fait, il prend le phare pour faire l'anti-cerne. En fait. Oh. Mais non, mais je vois pas, c'est dans l'ombre. C'est dans l'ombre, fais voir. Non, mais attends, mais... Ah, ben oui, ça va pas du tout. Eric, t'as pas compris qu'en fait, il fallait maquiller le dessus des mais yeux. Si, mais... Tu n'as maquillé que le dessous des mais yeux. Mais non, mais ça va pas, il faut refaire, ça va pas du tout. Oh, putain. Comment on efface un peu? Mais on peut pas effacer. On prend un petit sopalin. Attends, oh là là. Laisse-moi faire, regarde. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais parce que c'est dans l'ombre et je vois pas. Ah, mais ça tient bien cette connerie. Ah ouais, non, ça part pas. Hein. Tu vois? Ouais, ça va pas du tout, on dirait un poisson rouge. On dirait un poisson rouge. Bon, alors, moi, ce que je te conseille, là, clairement... Là, il faut faire un truc. C'est d'enlever et de remettre de l'anti-cerne. Ah, comment on enlève? Pour cacher. Comment on enlève? Alors, on va prendre un peu de démaquillant. On va enlever, on va remettre de l'anti-cerne pour que le fond de l'œil soit... Le dessous de l'œil soit normal. Mais parce oui, que là, ça va pas du tout, on était bien parti. Ok, bon, on a changé de côté. Parce que du coup, tu trouves qu'on voit mieux comme ça? Mais ça oui, ben là j'ai la lumière vraiment en face. Donc je vais enlever, hein, j'ai pris un peu de démaquillant là. Je vais juste enlever là. Ce que j'ai sous l'œil. Et là, surtout, t'as effacé là. T'as effacé, je m'étais appliqué comme jamais. Ah, oh, ça fait du bien. Bon, là on est pas mal, on est parti sur ça. Ouais, c'est pas mal. On est parti sur ça, merci. Vas-y, vas-y. Et t'as plein de pinceaux, regarde là. Non, mais ah oui, il faut mettre des plus petits. Tu vois, t'as différentes tailles et tout. Non, prends ce que tu veux. Non, hein. Mais je vais pas. T'as quartier libre. Non, après, c'est bon. Un petit peu de paillettes. Les paillettes, c'est la vie. Et allez, on repart dans le coin interne. Mais oui, c'est le plus beau, le coin interne. C'est là où tu peux mettre plein de trucs. Parce que moi, en plus, j'ai un coin interne œil de chat, un peu, tu sais, avec la pointe là. Moi, mais après, on va pas s'emballer. Hein. Regarde, essaie d'allonger l'œil. Non, mais ça, c'est. Mais si, parce que moi, j'ai la paupière qui tombe. Du coup, il faut agrandir l'œil. Essayez ça, elle est foncée. Alors, oui, attention. Vas-y, je te laisse faire. Ferme tes yeux. Oula. Je tais-toi. Je sais pas, mais quand on sent un pinceau avec du fard à paupières sur sa tempe, c'est toujours un peu bizarre. Allez, ferme les yeux. Ah, tu peux faire un truc en triangle, tu sais, comme j'avais fait.
Le plus dur avec les fards à paupières, c'est d'estomper pour qu'il n'y ait pas de taches, tu sais, que ça fasse bien fumer, tu sais, comme je le fais d'habitude, enfin comme j'essaye. Mais tu verras, ça va pas être dégueulasse, hein. Bah j'espère, hein. Mais c'est pas mal, hein. C'est joli. Mais ouais, c'est pas mal. Quoi? Non mais rien. Vas-y, c'est chouette, mais hein. T'as pas fini, là, de toute façon. Mais je suis pas loin, là. On va mettre un peu de brillant juste au-dessus, de, sur les cils. Mais t'as pas l'impression comme qu'il y a des taches, un peu? Mais légèrement, mais... je sais pas comment ils ont fait. Bah tu prends d'autres phares, tu restes. Ah mais sûr, mais je vais pas mettre 40. Regarde, tu peux faire un petit rat de cils, un petit rat de cils avec. Franchement, c'est discret, ça se passe bien. Ça manque un petit peu de paillettes sur les cils, vraiment sur la paupière, hein, le bas de la paupière, pour bien faire ciler. En fait, tu devrais même pas regarder le miroir, toi. Ouais, j'arrête de regarder. Ouais. Ouais. Tu veux mettre un peu de liner? Bien sûr, je veux. Ah, tiens, prends celui-là. Liner et mascara. Liner, mascara. Allô. On y va, le liner, le mascara. Liner, mascara. D'accord. Je donne des valeurs sûres, hein. Tattoo liner et mascara d'Amelia. Alors, le liner, c'est pour faire le trait, et le mascara, c'est pour les sourcils. Les cils. Les cils. Les cils, c'est pareil. C'est fou de confondre toujours. Ouais. C'est comme un tournevis cruciforme et un tournevis plat, tu sais pas faire la différence. Oh non. Oui, non, mais les cils et les sourcils, quand même. Mais tournevis, c'est la base. D'abord, il vaut mieux mettre le liner avant d'accord, le mascara. D'accord, on y va, c'est parti. Oula. Là. C'est de la haute technologie. Eh ouais, regarde. C'est la... Il est hyper précis le tatouage. Alors, tourne-toi, ma belle. Je vais tout le cil. Mais tu fais comme tu veux, château. Je vais tenter le drop. Allez, si tu clignes des yeux, on va pas y arriver. Je cligne pas, je fais rien, je bouge pas. Ah, t'as cligné. Alors, pour faire la queue, il vaut mieux que j'ai l'œil ouvert. Pour faire la queue, là, vers le haut. C'est... Ah, c'est vers le haut. Je vais faire comme ça. Tu vas faire une queue comme ça. Fais voir. Mais t'arrêtes pas de bouger. Mais je bouge pas. Voilà, là, je fais du caca. Avec le tattoo liner, on peut pas faire du caca. Vas-y, lève. Eh non, mais l'autre, il est beaucoup mieux. Là, je l'ai fait à l'envers. Oula, attends. Ouais. Il a fait qu'il faut que je me mette de l'autre côté. Faut que je me mette de l'autre côté. L'autre, il est bien. On a un peu l'impression qu'il est pas fini, quand même. Hein. Mais pourquoi il est pas fini? Mais regarde. Mais parce que ça s'est dérapé. Ça a t'as cligné des yeux. Moi, je fais tac, une longue queue ah, comme ça, tu vois. Ah, mais je peux faire plus loin, mais c'est bien. Pas bon. Ah, bah d'accord. Non, mais tu fais comme tu veux. Tu, c'est toi qui décides. Mais non, je veux pas ressembler à Cléopâtre. Là, ça suffit, ça fait trop de... Ça fait... Mais c'est bien, là. On dirait Pocahontas. Mais non, là, c'est parfait. Il faut effacer un peu, hein, c'est mieux, là. Ok, mais je te laisse faire. Allez, vas-y, mascara et tout, tu fais comme tu veux. Comment j'efface? Je peux remettre de la poudre par-dessus? Non, ça va pas effacer. On fera la fin, on attend que ça sèche et après avec un petit goupillon comme ça on pourra le faire partir. Mais il faut que ce soit sec. Alors mascara, je vais mettre les yeux comme ça vers le bas je pense et je vais te laisser faire. Je ne vais pas du tout parler. Oula, c'est... Qu'est-ce que c'est? Là il y a du monde là. Oula. Donc c'est comme ça. Ouais. Ouais voilà c'est ça. Non mais pas dessus. Ah pas comme ça. Pas comme ça. On dirait que tu fais de la couture comme ça. Non mais là ça fait plein de pâté. Ouais c'est pas mal. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Okay. Par contre, il faudrait un peigne, un truc pour les... Pour les séparer? Bah oui, c'est tout collé. Ouais, mais si tu sais, avec le mascara, moi je fais... Bah, franchement, c'est canon comme ça. Hein. C'est vrai? Je suis bah, jolie? Bah franchement... Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est joli? Pour une première, c'est propre. Attends, on va finir le temps, on n'a pas fini le temps. Ah, il faut le teint, c'est bon. Alors... T'as vu, t'as tellement de choix, tu sais même plus où c'est. Alors, on va prendre poudre bronzante blush. Tu sais quoi, je vais te donner les deux palettes de chez Zoeva. Tu fais un peu ce que tu veux, comme tu le sens. Il y a plein c'est de encore des palettes. Ouais, des palettes. Mais ça suffit, il n'y en a plus besoin de tout ça. Ça c'est pour réchauffer le teint et ça c'est pour apporter la petite touche bonne mine. Non, pour le refroidir. Ah oui, donc c'est d'abord celui-là. Ouais, je ça. Et je l'aide, hein, je lui donne les pinceaux et tout. Ouais, C'est celui-là le plus usé, c'est celui-là le mieux. Ouais. Ouais, ouais, je sais. Donc là tu fais, tu sais, un peu comme Wayne Goss là. D'accord, tu vois. Non. Et il maquille, on a l'impression qu'il est fleur les ouais, visages. Ouais, mais je sais pas. Ah, regarde-moi. Tu sais quoi ça sert un peu pour ton chatou? Mais pas du tout. C'est pour réchauffer le teint. Réchauffe-moi le teint là. Okay. Alors, surtout sur les. Sur la. En 8. En 8, ici, on fait le 8. On fait le 8. Il est pas ça. Mais j'en étais sûre que t'allais faire n'importe quoi. Autant tu te concentres, là tu commences à en avoir marre, je pense. Non, on a fini ça. Le 8. Mais c'est bien, on est bien, là on est bien. Franchement. Mais là t'en mets n'importe où, n'importe comment. Mais oui, en fait. Ça sert pas à grand chose, on voit pas la différence. Et je sais même pas si je vais vous montrer le résultat à la lumière du jour. Hein. On dirait que je fais ça toute ma vie. Je change alors. Et là, il faut mettre sur les parties prépondérantes. C'est-à-dire. Celles qui dominent. Donc là, il faut mettre les parties qui sont en exergue dans la lumière. Vas-y. Un peu comme ça. Un peu comme ça, les pommettes, voilà.
Est-ce que t'as le sentiment de me rendre plus jolie? Ouais, mais déjà t'es canon, alors là... Non, merci. Ouais. Et il faut faire la zone T. La zone T, la fameuse. Voilà. Le mec sent mal. Regarde comment je ferai moi. Regardez, je vous montre comment non, je ferai. Non, mais c'est moi qui maquille. C'est moi qui maquille. Juste le mouvement. C'est moi, mais tu fais 200 vidéos par semaine. Oh. C'est bon, je peux en faire une pour moi. Vas-y, vas-y. Et une... C'est pas été quand même ça, tu vois. Non, tu veux rajouter une petite touche, regarde. Non, mais pas trop de... Trop je lui donne un peu d'highlighter. C'est avec ça que tu vas apporter un peu de lumière à droite à gauche. Ça fait trop ça. Mais non, mais t'en mets un poilish, mais je connais, regarde, avec un tout petit pinceau comme ça. Mais je connais le lighter, je connais. Ça fait déjà un peu même effet, ça brille sur les pommettes. Mais normalement, le blush, il est mat, hein. Ouais, il est pas assis, un peu satiné. Ben oui, et là, c'est hyper satiné, on va pas s'emballer. Comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Pas tout, il est très pigmenté, hein, celui-là. Il est gavé pigmenté. Ouais. Chut, et un petit peu, juste tac, 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 on y va, c'est pas. Je brillais de mille feux. Ben oui. Mais non, j'ai rien mis, regardez le pinceau, il y a presque rien dessus, j'ai fait exprès d'être assez discret sur Est-ce le... Est-ce que tu ressens le besoin de flouter un peu les matières? Non, faut rien non, du tout, là, il faut mettre un chic de fin. Et ouais, un petit rouge à lèvres, non, je sais pas, c'est un peu fragrance, ouais, c'est un peu... Un petit rouge à lèvres. Tu prends pas le temps de choisir... Bah si, j'ai choisi, c'est ce que je préfère. Non mais t'as pris le premier qui est venu, quoi. Tu te dis mais pas si, quelle couleur pourrait aller avec tel make-up, tu mais vois. Si, mais enfin... si, mais ça va très bien avec, regarde. Du nude, quoi. Mais ouais, c'est discret. Mais on peut mettre un bleu si tu veux. Je sais pas de bleu. Allez, on va mettre un truc avant un peu plus rouge. Avant qu'il trouve un rouge à bleu dans mon maquillage. Ouais, t'as un truc un peu plus. T'aimes plus... pas le rouge, de toute façon. Un peu plus framboise. Il aime pas quand je mets du rouge à lèvres rouge. Pourtant, c'est hyper féminin et tout. C'est celui-là. C'est glamour, le rouge, ça fait sexy. T'as pas un truc un peu framboise? Toi, t'aimes pas. Ah. Non, ça je suis pas fan. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté celui-là. J'aime pas, c'est un sort de orangé. Là, c'est la louise. Corail. Corail, ouais. Tu veux quoi comme couleur, dis-moi. Plutôt, ouais, framboise, tu vois. Framboise. Ouais. Plutôt rose ou violet. Ouais, rose. T'as 40 fois le même truc. Non, c'est pas les mêmes. Ouais, ça c'est bien ça. Bon, du coup, il prend celui-là. Hein. Je mets Maybelline, carrément le rose. Il s'appelle Fuchsia for me. Hein. Ouais, c'est une valeur sûre. Et bim, vas-y la couleur, Boris. Vas-y. Alors, arrête de bouger, sois sérieux. Je bouge plus. Hop là, hop là. La dernière. Voilà. Ah, c'est top, ça t'a mis ouais, là, ça fait un petit coup de peps. Tu vois, un petit peu de peps. Pas mal. Elle est bien. On est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, je vais me rapprocher pour montrer. Non, mais dans la vraie vie, c'est bien. Hein. Voilà, donc voilà le résultat final. En fait, mon chéri s'est lâché sur l'highlighter, hein, comme vous voyez. En fait, il y en a partout sur le visage. Je crois que... Il y a du blush, de l'highlighter et de la peau de bronzante partout sur le visage, en fait. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Et les sourcils, franchement, c'est pas trop mal. J'ai hein. pas fini, tu m'as pas laissé finir. Et vas-y, je vais te laisser terminer. Je vais le laisser peaufiner. Du coup, une fois que c'est ça, sec... Ça, c'est pour les cils. Oui, mais une fois que c'est sec, tu peux prendre un petit goupillon, tac. Ouais, et ouais. Normalement, ça enlève les traces de mascara et de liner, éventuellement. Pas... Normalement, il n'y a pas de traces de liner, mais... Ah non, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est pour séparer les cils. Mais oui. Ah. Le mec me tire la paupière comme ça. Là, c'est mais, là, on, mais là on se rend pas compte que c'est brillant en fait. Là, c'est ça quoi, que le but, c'est de séparer les petits cils. Ah, franchement pour une première. C'est bien quand si, même. C'est la première fois que tu maquilles une adulte. Ah oui, c'est bien. Ah ben oui. Voilà, mais... il a déjà maquillé nos filles pour des carnavals, des trucs comme ça. Mais c'est la première fois que tu maquilles de manière sérieuse, on va dire. Tout à fait. Quelqu'un. Très sérieux. Donc, j'ai franchement, jamais pour été une première, autant sérieux. Il y a pire. Il y a pire. Voilà, c'est. Ouais. Moi, je croise des gens dans la rue, ils sont mieux maquillés que ça. Hein. C'est ce que j'appelle un peu les maquillages too much, moi, quand je vois ça dans la rue. Mais parce que là, avec la lumière, on se rend pas compte que non, ça mais, brille. Mais beaucoup. Bien sûr, chérie. Mais tu peux pas être. C'est normal, c'est la première fois que tu maquilles quelqu'un et en plus, c'est pas ton truc. Ouais, non, franchement, bravo. C'est réussi. Tu vois, c'était moi juste. J'ai estampé un tout petit peu plus ici. Mais franchement, non, attends, je t'ai fait un dégradé. C'est tout. Très très bien. Ouais, hey, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes bien marrés autant que nous. Parce que le but, ouais, non, moi, je n'en ferai pas d'autres. Hein. Le but, c'était vraiment de se marrer. Hey, on est en confinement et tout. Ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo avec lui. C'est et vrai. On n'avait jamais l'occasion à chaque fois. On était pris par des trucs et tout. Donc voilà. Mais merci. Mais de rien. Et abonnez-vous. Ouais. N'oubliez pas de laisser un petit like si vous avez passé un bon moment. Et surtout, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Allez, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et jusque-là, prenez soin de vous. Et bon confinement. Bye bye.